Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer une variante gratuitement sur Cold War. Alors la variante que vous allez pouvoir débloquer c'est le pistolet Charlie, chasseur primitif. Et pour débloquer cette variante vous allez devoir aller en mode zombie, carnage et vous avez plus que 3 jours et quelques heures pour la débloquer. Ce que vous devez faire c'est tout simplement faire une partie et débloquer le bronze. Donc c'est un petit objectif que vous devez réussir. Ou alors vous pouvez faire mieux tout simplement. Alors moi j'ai débloqué le niveau bronze quand j'ai fait 3 éliminations élites. Alors je vous explique un peu comment fonctionne le mode carnage. Vous arrivez dans une map, le maximum de joueurs c'est 2 et là vous devez survivre dans la zone qui est indiquée. Dans cette zone il y aura une boule en plein milieu. Cette boule va commencer à bouger en fonction des étapes que vous allez faire. Donc l'afflux que vous voyez à gauche c'est le niveau des manches. Ensuite les élites ben, c'est les gros boss à éliminer. Et la puissance de l'orbe ben, c'est la puissance de la boule et en fait vous devez l'alimenter en tuant des zombies. Quand elle arrive à 100%, elle va se déplacer et il faudra la suivre. Donc voilà, c'est pas très bien compliqué, mais je vous conseille quand même d'utiliser le pompe Gallo SA12 dans votre classe, ou alors le couteau balistique, enfin c'est comme ça que moi je l'appelle, parce que le couteau est très efficace et le one-shot jusqu'à la manche 14 plus ou moins. Ou alors si vous êtes niveau 50, bah, vous mettez le couteau de chasse à la place de votre cross, et là bah, ça one-shot jusqu'à la manche 10, donc vous êtes tranquille pour tuer des zombies normaux. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soarkoolomike et ciao. Peace.